bien sûr la gérer cette boxe. Il n'y a plus que 8 dixièmes d'écart, qui dépend de sa physique bien entendu. Ramener la ficelle à sa meilleure victoire des points continus pour le Phoenix Racing. On demanderait si, disons, après la victoire du Phoenix Racing, vous allez être en mesure de fêter sa même contre-victoire. Pas particulièrement clairement pour du Phoenix Racing de Michel Santré, Sébastien Piette, Pierre-Emmanuel et Jean-François Ebroul. Qui est en entier position par rapport à la tour de tête. Ça semble très 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 compliqué
7, ça veut dire d'ici qu'elle est à 2 minutes 36 par rapport à la voiture de tête, quasiment un peu moins d'un tour de retard de cette voiture. Ça se fait bien, c'est parti. Le moteur sport en 9 et 10ème, la suite de chevaux passion Trapanel. Se lève tout doucement sur Spa.
c'est lui qui connaît des problèmes. Ils ont su rester en dehors des problèmes durant cette épreuve. Et c'est un succès bien mérité. Donc Pierre-Yves Vigneault, ici au Castellon, un peu au monde et tout. Du Tiki Racing, des grands habitués des 24 heures et du championnat de chevaux Racing Cup. Deuxième position pour la numéro 18, deux chevaux par Sylvain Panel. La voiture de Samuel Chénier, Philippe Portuanus, l'autre coche, Marc Jamard, René Goodmans et Eric Jamard. C'est terminé deux en position. Il y a tout seulement de la voiture du Kimi Racing et troisième place finalement. Ils ont cru à la victoire encore hier soir, puisqu'ils étaient en tête devant cette première course en 29 du AG Racing Box. Gérard Amar, M. Bijaminé et Georges Goupin auront donc survécu à une troisième place maudite durant cette journée de dimanche. C'est 24 heures de chevaux. Belle quatrième position pour la numéro 11 du Team Manitou. Une voiture qui aurait été constamment en top 10. C'est la numéro 717 MCC de Christian Tijoner, Eric Bonan, Peter Sparrow et Alec Graham. 6ème position en termes d'une très très grosse volonté. Quelques problèmes qui auraient dû partir depuis la voie des stands. Ça a été une course compliquée. C'est une course très longue. Alors Yannis, et donc Benoît Carr, Daniel Constant, Thierry Delattre, Bigosco et Charles Maïtoise en 6ème position. Et ça aurait été compliqué jusqu'au bout de ce qu'on dans cette cabine speaker qui lui-même peut. Qui ne se supporte pas lui-même. Ben voilà. Ensuite, en 7ème position, et bien on retrouve la première série. C'est une City Bugs, celle-là. Et Ryan Adeline prend la petite terminée. On tient plus dans la liste des ans. Thank you.
Et on a des preuves. On est dans la piste, on t'attend, on t'attend.
d'avoir un téléphone. Il y avait un peu mieux roulé, on aurait pu jouer avec ça. Pas vu le 4-4. Ça va, il s'arrête. Bon, je vais de l'autre côté. Ouais, on a plus des masses. Non, maintenant c'est la fin. Hein. Ouais. On aura une belle course, un beau vainqueur. Oui, hein. Une bonne ambiance. Ah, c'est peut-être la solution pour les frères. Ainsi s'achèvent les éditions des 24 heures 2018 de chevaux. Bonne ambiance, convivialité, fair play, respect des autres.